À bord de l'Electrico, Emeline, une jeune Française. Elle vient d'arriver à Lisbonne. Bah, les premières sensations à Lisbonne, c'est pour l'instant que du positif. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Emeline a quitté Saint-Malo pour poursuivre ses études dans la capitale portugaise. C'est tout en montée et en descente à longueur de temps. C'est vraiment original comme type de ville et c'est une bonne surprise, une bonne découverte. Je pense que je vais m'y sentir bien. Comme Emeline, les Françaises sont de plus en plus nombreux à venir à Lisbonne. On l'appelle la ville aux sept collines, avec ses 250 jours de soleil par an, au bord de l'océan. Je te mets la table 2, hein. Et il y a un autre jus de pastèque. Annie et Julien ont décidé de tout plaquer à Paris pour y monter un restaurant. On a dû apprendre, alors je te cache pas qu'au début, on s'est engueulé en cuisine. Le couple est derrière les fourneaux depuis moins d'un an et rien n'est encore gagné. Oh, merci beaucoup, monsieur, pour votre patience. Merci. Christian a lui aussi choisi de poser ses valises à Lisbonne. Il est luthier. Et quand il a besoin d'inspiration pour ses violons, il prend le large. Moi, je trouve ça magique. De toute manière, le Tage, la vue de Lisbonne du Tage, je me sens en vacances dans ma vie de tous les jours. Et puis, il y a les touristes. 6 millions l'an dernier. Une des villes les plus visitées d'Europe. On va reprendre un sardine au citron. Un autre citron. Ouais. Des Portugais comme Thiago profitent de l'afflux. Je crois que des touristes de chaque pays d'Europe sont déjà venus ici. Tout au long de l'année, son métier, la sardine. De l'océan aux ruelles de la vieille ville, de l'automne à l'été, pendant un an, nous avons suivi le quotidien de ceux qui vivent dans cette ville aux mille charmes. Allez, Wen, on s'en va. Est-ce que tu veux que je te mette quelques amandes dans ton goûter? Oui. Une poignée comme ça d'amandes. Voilà. Hein, c'est bien. Allez, le cartable, le sac à dos du pique-nique, c'est parti. Allez, Wen, on y va. Tous les matins, Annie, la restauratrice, emmène son fils à l'école. Allez. Je vais me garer aujourd'hui, hein, Wen. En ce mois de septembre, Ewen, 8 ans, entre en CE2. Ses cours sont en français et en portugais. Vous parliez déjà portugais avant d'arriver ici? Moi, oui, parce que je suis d'origine portugaise, mais Ewen, pas du tout. Et là, il comprend. En France, mamie, tu commençais à m'apprendre à parler portugais. Je t'apprenais des mots. T'avais des petites affiches carrées. Je te montrais des images et tu me disais le mot en portugais. On avait déjà commencé les petits cours. Olá, bom dia. L'école d'Ewen, le lycée français de Lisbonne. À ce soir. Le lycée français, c'est pas mal parce que si on reste à Lisbonne, Ewen fera toute sa scolarité ici parce que ça va de la maternelle au bac. Donc c'est vraiment bien. Avant le service du midi, c'est toujours le même rituel. Passage par la case primeur chez son principal fournisseur. C'est possible d'avoir 2 kilos de fraises? 2 kilos de morango. Merci. Ce sont bien des fraises portugaises. Donc là, morango, voilà. P-O-R-T, ça vient bien du Portugal. Et les prix sont différents en France? Oui, là, le kilo à 3,95 €. Ouais. En plein automne, oui, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est bon. L'estragon, tomate cerise, il me faut de l'ail. Pour ouvrir leur restaurant, Annie et Julien ont choisi le cœur historique de la ville.
petit chéri. Lisbonne et la cuisine, la nouvelle aventure du couple. Avant de faire des sorbets à la fraise, j'essayais de faire partir des avions à Roissy. Puis j'encadrais les équipes au sol. Il y a des points communs. Hein. L'objectif, c'est toujours de bien s'occuper des clients. 10h du matin, le restaurant ouvre ses portes et très vite, les premiers clients arrivent. Parmi eux, de nombreux Français. Bonjour. Combien de points de petit déj? 6. Ça sera tout? Ouais. Et le jour, ça sera. Merci beaucoup. Le concept du restaurant est assez simple. Là, il y a des galettes de sarrasin à la morue. C'est assez un petit mix entre la Bretagne et le Portugal. Une carte née de la rencontre entre deux cultures. Aujourd'hui, Annie prépare sa spécialité. Il faut beaucoup de beurre. Du beurre salé. Et ça, ça, une galette sarrasin. Et ça, ça surprend beaucoup les Portugais, le beurre salé dans la cuisine. Donc pas trop de pâte, pour que ce soit quand même assez fin. Donc ça, c'est la morue. C'est parti. Des produits portugais cuisinés à la française. Une formule originale, mais qui doit encore faire ses preuves. On sent qu'on est prêt de réussir notre pari. Les professionnels là-dedans nous ont dit que c'était normalement 2 ans, donc déjà avoir ses retours dès la première année, c'est très bon signe. Donc on attend beaucoup de la deuxième. Cette année s'annonce décisive. Dans les prochains mois, le restaurant doit devenir rentable. Le couple a investi toutes ses économies dans ce projet. Annie tient à nous montrer l'endroit où est née leur aventure portugaise. Alors, où est-ce qu'on est là? Alors là, on est au Mirador da Graça. Là, c'est un endroit où on venait souvent avec Julien avant de monter notre entreprise. Pendant nos voyages, quand on venait ici se poser, on se disait, punaise, si on pouvait vivre dans cette ville magnifique, y construire quelque chose, c'est sûr que c'est des moments qui ont fait que notre vie a basculé, évidemment. Parce que quand on habite en région parisienne, dans la grisaille, et qu'on se lève à 3h du matin pour aller travailler, qu'on met 1h30 pour aller travailler dans les bouchons, et qu'ici, c'est tout l'inverse, bah forcément, ça fait réfléchir. Ça a été une décision difficile de changer de vie? Bah oui et non, parce que là, c'est une aventure, quoi. C'est quelque chose qu'on a construit et qui se construit encore aujourd'hui. L'angoisse d'Annie, c'est l'hiver, quand les touristes se font plus rares à Lisbonne. Les clients seront-ils toujours au rendez-vous? Christian, lui, a fait le grand saut il y a plus de 10 ans. Ce Parisien d'origine est luthier. Il crée des violons. Et s'il a aussi choisi Lisbonne, c'est avant tout parce qu'il est passionné de sport. Tous les week-ends, il a rendez-vous sous le pont du 25 avril pour mettre les voiles avec des amis portugais. On est des fois un peu plus nombreux là, il manque pas mal de gens de l'équipe. Mais sinon, ouais, c'est un dimanche comme un autre avec un peu plus de soleil, un peu moins de vent. Là, on a un très beau bateau. Je ne sais pas si c'est le Sagres. Je crois que c'est un bateau qui appartient à la marine portugaise. Claudia, vous pouvez lever les voiles. Ça fait du bruit avec le bruit des voitures, mais c'est joli. Par contre, le vent est assez perturbé sous le pont, donc on va aller plus loin. On va encore virer de bord. Christian navigue à l'embouchure du Tage. Un endroit que l'on appelle la mer de paille. Un air de vacances permanent. Moi, quand je suis ici, je me sens pas dans la ville où je travaille. Lisbonne, c'est un endroit de vacances pour la plupart des gens. Et même pour moi qui y vis, ça... mes dimanches, c'est des vacances, quoi. Et samedi aussi, donc ça c'est quand même... c'est un luxe, je trouve. Je pense que pour un Parisien, se retrouver ici l'après-midi, c'est... moi, je trouve ça magique. De toute manière,
le Tage, la vue de Lisbonne du Tage. Bon, quelquefois aussi quand on navigue à cache-cache aussi c'est très beau. Enfin, c'est ça, je me sens en vacances dans ma vie de tous les jours. C'est aussi par la mer que Christian a débarqué pour la première fois à Lisbonne. C'est en 1979. Il est alors jeune matelot, embarqué sur le porte-avions Le Foch lors de son service militaire. À l'époque, cela n'avait pas été le coup de foudre. Il pleuvait, la ville était très triste, il n'y avait personne dans les rues, donc ça ne m'a pas du tout tapé dans l'œil à l'époque, mais pas du tout. Si on m'avait dit que je serais luthier et que je viendrais habiter à Lisbonne, je crois que j'aurais sans doute éclaté de rire. Trente ans plus tard, Christian travaille aujourd'hui pour les plus grands musiciens du monde. Quentin, 22 ans, est son assistant depuis quelques mois. Alors, t'en es où ? L'aspirant de coller. Ok, donc tu vérifies tout à sec. Si tout va bien, bah après tu peux coller, c'est bon. C'est une opération délicate. Toi, Quentin, Un petit peu, à chaque fois, oui, c'est pas encore parfaitement automatique, donc un peu de concentration toujours, quoi. À ce stade-là, ce ne sont pas des choses qui vont influer sur la sonorité, donc c'est aussi pour ça que je délègue ça à mon assistant. Moi, je commence à travailler réellement sur les instruments quand toutes les choses commencent à voir avec la sonorité. La sonorité d'un violon, c'est d'abord le choix des bois utilisés. Christian stocke des centaines de planches, comme des lingots d'or. Alors donc du bois, j'en achète tout le temps, j'en achète pratiquement tous les ans. Les bois que nous utilisons sont pratiquement toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est l'érable, donc pratiquement tout le violon ou le violoncelle est fait en érable, donc c'est ce qu'on appelle l'érable ondé, qui a ses dessins comme ça. Et le devant, la table d'harmonie, elle est faite en épicéa. Ça, j'ai acheté ça il y a très récemment, c'est un bois absolument magnifique. J'ai acheté en 2013, donc... ça, c'est un des plus beaux bois que j'ai eu dans ma carrière. Je vais devoir attendre une petite dizaine d'années avant de le travailler, mais je suis sûr que ça va très bien marcher. Chaque violon nécessite plus de 3 mois de travail. Christian s'attaque aujourd'hui à sa dernière commande. En presque 40 ans dans ce métier, je suis toujours étonné par cette magie de passer d'une planche de bois, de quelque chose d'aussi brut que ça, à un instrument de musique quelques temps après, comme ça, qui on passe vraiment du plus terrien au plus aérien. Et cette transformation, même après toutes ces années, me touche toujours autant. Ok, c'est bon. Un travail d'orfèvre qui, si tout va bien, donnera naissance à un nouveau violon au printemps prochain. L'instrument a été commandé par un musicien espagnol, réputé pour être très exigeant. Salut. La nuit tombée, les étudiants se retrouvent au Barrio Alto, le quartier branché. Salut! Comment ça va? Là, en fait, on est dans le Barrio Alto, donc c'est plein de bars, de restaurants plus ou moins typiques. Emeline y a déjà pris ses habitudes. Alors, tu étudies ici? Oui, oui. Tu aimes le Portugal? Ah oui, beaucoup. Et qu'est-ce que tu étudies? La biologie. Lisbonne, c'est un peu l'auberge espagnole. Les nouveaux amis d'Emeline viennent de toute l'Europe. Si les étudiants sont si nombreux ici, c'est aussi parce que la vie est 2 fois moins chère qu'en France.
8h du matin, départ pour l'université. C'est la première fois qu'Emeline quitte sa Bretagne natale pour aller vivre à l'étranger. Un défi dans un pays dont elle ne parle pas la langue. J'ai du mal à suivre les cours parfois, vu que c'est en portugais. Et donc c'est surtout ça le risque, c'est que la langue fasse barrière et que j'arrive pas à suivre et à valider, parce qu'il faut absolument que je valide mon année ici et ça me fera l'équivalence en France et j'aurai mon diplôme normalement. C'est la saison un peu particulière, l'automne. Un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup il pleut pas. Et puis bah, à chaque fois, on se retrouve avec trop de vêtements ou pas assez, et puis on s'enrhume. C'est ici, à la Faculté des sciences, qu'elle suit sa licence de biologie. Hi. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Fine, thanks. So, merci, ça va. Alors les projets, comment ça va? C'est compliqué. Je viens de recevoir le sujet de mémoire et je vais voir comment je vais m'organiser. Non, c'est un étudiant portugais en fait. Et lui, il s'est intéressé aux étudiants Erasmus qui étaient là. Et puis, bah, nous, on avait aussi pas mal de questions sur l'organisation de la fac et puis comment ça se passait, où étaient les imprimeries, les cafettes, des choses toutes bêtes, mais voilà. Je ne l'ai pas trouvé vraiment perdu. J'en ai rencontré des étudiants Erasmus. Et c'est une de celles qui se débrouille le mieux. Bon, ben, on se voit la semaine prochaine. Lundi. Allez, bon week-end. Heureusement pour Emeline, certains cours sont aussi en anglais. Je vais commencer à faire le cours en anglais. Et aujourd'hui, nous allons parler du comportement des animaux, comme la semaine dernière. Je lance le film. Le rêve d'Emeline travaillait dans une réserve animale africaine. Et au programme ce matin, l'étude du comportement du chimpanzé. Pour avoir sa licence, Emeline devra redoubler d'efforts. Dans quelques mois, elle passera des examens en portugais. Chaque année, plus de 6 millions de touristes visitent Lisbonne. Dans sa boutique, Thiago profite de cet engouement. Ses sardines se vendent comme des petits pains. À l'huile, j'ai seulement du nord. C'est terminé, les petits. Bon, bah, on va prendre du nord. Un de chaque, c'est bien. Voilà. Et puis, dernière chose, ce que vous appelez les chachas. Chachas, ouais. Voilà. Des petits poissons ou plus grands? Les plus grands. 40 recettes dans des petites boîtes au look rétro, que les touristes rapportent comme un souvenir. Thiago en vend plus de 1000 par jour. Je crois que des touristes de chaque pays d'Europe sont déjà venus ici. Mais aussi de Malaisie, du Canada, des États-Unis, de Colombie, du Mexique et même des Japonais et des Chinois. Si le monde entier n'est pas encore venu dans ce magasin, on n'en est pas loin. Ce sont les anciennes conserves. Comme vous pouvez le voir, il y a peu de différence avec la nouvelle. Ici, sur ces photos, on peut voir mon grand-père qui emballe des conserves. Cette dame, c'est Dona Jesus. Elle a travaillé ici pendant 50 ans. Et comme vous pouvez le voir, l'aspect du magasin n'a pas vraiment changé. Depuis 1930, on est dans le même magasin, avec la même architecture. Amoureux de sa ville, Thiago ne se lasse pas d'en parcourir les différents quartiers. Chacun a son histoire. Je
On arrive ici sur la place Camões et sur la droite, on va redescendre vers la place Dom Pedro. Pour moi, me balader dans Lisbonne, c'est émouvant de redécouvrir chaque rue, chaque petite place. Il faut aussi faire attention aux rails du tramway quand on roule en scooter dans la rue. La lumière, le soleil, l'architecture, sur ces collines et tous ces petits coins secrets dans les quartiers historiques, toutes ces merveilles font l'identité de Lisbonne. Il y a le Lisbonne touristique, il y a aussi un Lisbonne secret, réservé aux seuls initiés. Un endroit que les touristes ne peuvent pas trouver, mais que Thiago, lui, connaît bien. À Lisbonne, en cette fin d'automne, avec sa compagne Joséphine, Thiago, le roi de la Sardine, nous emmène dans son petit coin de paradis, de l'autre côté du Tage. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour venir se détendre après le boulot, se reposer et voir la mer. Il y a beaucoup de plages sur toute la côte autour de Lisbonne. Cela commence ici, à Cova do Vapor, dans ce petit village, et cela va jusqu'à la côte de Caparica. Et toutes ces plages sont à moins d'une demi-heure du centre-ville de Lisbonne. Ce sont des plages très faciles d'accès. Alors certaines sont plus connues. Ici, à Cova do Vapor, c'est plus confidentiel, c'est plus tranquille. Et d'ici, on peut venir admirer l'un des plus beaux couchers de soleil. Lisbonne vit les dernières soirées de son été indien. La ville s'apprête à passer à l'heure d'hiver. On rentre pas, hein? On rentre pas. En hiver, le soleil est toujours là pour un des grands rendez-vous de l'année à Lisbonne, le carnaval de février. Dans la foule, Emeline, accompagnée de sa petite sœur, venue pour les vacances. C'est vraiment cool, puis il fait beau, enfin c'est pas souvent quand il pleut ici, donc ouais, ça nous change. Ouais, c'est trop. Un peu partout, des sons venus d'ailleurs. C'est des jeunes en fait qui dansent et... des types un peu Angola, Cap-Vert, Mozambique, les colonies africaines du Portugal, quoi. Et c'est assez sympa, ils sont vachement dynamiques et tout, il y a de l'énergie, c'est marrant. Lisbonne est une ville multiculturelle. Ailleurs, une autre ambiance, c'est le jour du marché. Julien chine à la recherche d'objets décoratifs pour son restaurant. On trouve tout, tout, tout. Mais le babiol made in China a des superbes antiquités. On a beaucoup de pièces chez Augusto qu'on avait chinées par ici. J'essaie d'avoir des pièces un petit peu
petit peu insolites, qui sont jolies, mais on a eu un petit peu de casse, alors je vais jeter un petit coup d'œil s'il y a des trucs sympas à chiner. Ça, c'est des azulejos, je pense, d'époque. Mais ça peut faire une déco sympa, ça te remplace un tableau, par exemple, pourquoi pas. Ça coûte cher, hein? Ça dépend. Si c'est des ensembles comme ça, à mon avis, plus que des pièces dépareillées. Parce que les ensembles sont plus rares. Et on m'appelle ça unique. C'est une pièce unique. Vous n'en avez qu'une? Je crois que des verres comme ça, j'en ai qu'un. Faudrait vérifier dans le carton. Ok, obligado. On est à combien de temps de votre restaurant là? Ah là, on est à 2 minutes. Donc les touristes qui viennent ici sont potentiellement des passagers vers chez toi, quoi. Alors oui, les personnes qui viennent ici sont très souvent amenées à revenir en arrière pour aller vers le château Saint-Georges. Et du coup, passent naturellement devant chez Augusto, puisque c'est vraiment l'axe qui passe d'une colline à l'autre. La bonne nouvelle de l'hiver, c'est que le restaurant ne désemplit pas. Les habitants de Lisbonne l'ont adopté. Julien et Annie doivent même engager un serveur. Ce matin, ils font passer leur premier entretien d'embauche. J'ai travaillé dans différents endroits, des hôtels 5 étoiles, comme vous pouvez le voir sur mon CV. J'ai même travaillé en Hollande. L'idée, c'est d'embaucher quelqu'un pour pouvoir un peu tout faire. Aider Julien en salle, accueillir les clients, encaisser. Il nous faut donc une personne de confiance, car il aura de l'argent en main. Par contre, tu ne feras jamais la cuisine. Ça, c'est le domaine d'Annie. La cuisine, c'est moi. Je conviens Emmanuel à faire une demi-journée, à l'essai, pour voir comment ça fonctionne, si ça lui plaît, si ça convient, si ça colle, et puis... Un samedi, par exemple? Oui, bien sûr. Merci, Manuel. Avec plaisir. À samedi, Manuel. Merci. Non, qu'il a remercié pour le café, il exagère. Non, là, pour nous, ce serait une perle. On va voir, mais disons que c'est un bon... C'est un bon entretien. Il a beaucoup d'atouts, ouais, il parle... On va voir ce que ça donne dans l'action samedi, parce que ça, c'est... Dans l'action, c'est autre chose. Ouais. Non, mais déjà, il a l'expérience, Julien, tu vois. Oui. Il a eu un de l'expérience, le couple commence aussi à en avoir. Nous, on est de plus en plus mieux dans nos baskets, plus à l'aise dans notre travail, on travaille mieux. Ouais. On n'est plus dépassé par une salle pleine, comme par exemple samedi dernier, où même on ne peut pas accepter tout le monde. On gère, il n'y a aucun incident, il n'y a pas d'attente, on arrive à... Nous, on est dans le feu, mais ce n'est pas ressenti par les clients, donc c'est bon signe. Dans quelques jours, Annie et Julien testeront Manuel. Et peut-être le début d'une nouvelle aventure. De son côté, Thiago, le roi de la conserve, s'agrandit aussi. Il vient d'ouvrir une nouvelle boutique dans cet ancien marché pour accueillir une clientèle branchée. C'est un marché traditionnel qui a été réformé l'année dernière, afin d'être redynamisé avec des restaurants originaux qui proposent différents types de gastronomie. Il y a aussi ce magasin, La Vie Portugaise, qui vend des objets traditionnels. Et ça, c'est ma boutique, qui ressemble beaucoup à l'original. Bonjour. Toma. Comment était la journée d'hier? Hier, c'était plein. Plein. Rempli de monde dès le matin. Un bon jour, on vend ici autour de 500 conserves. Notre objectif, c'est de tout vendre. Un magasin juste en face du sien surfe aussi sur cette vague rétro. C'est un magasin qui ne vend que des vieilles marques portugaises. Par exemple, comme ces savonnettes.
Ou encore, cette pâte de dentifrice, très connue au Portugal. Et je me rappelle très bien de ce jeu. Quand j'étais petit, je jouais au basket chez moi. Mais je n'étais pas très bon. Mais je me rappelle vraiment bien de ce jeu. À Lisbonne, la nostalgie se vend bien. Buona giornata, ciao. Loin du tumulte, dans son atelier, Christian continue la fabrication du violon commencé il y a 2 mois. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le fond de bois, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le vernis, c'est ce qui est sous le vernis. Si on se trompe, on ne peut pas revenir en arrière, parce qu'une fois que le bois est taché, on ne peut plus enlever ce qui est déjà dedans, donc faire un petit peu attention. Quoi. Et ça, c'est un violon qui sera prêt dans combien de temps ? Un mois et demi encore, je pense, minimum. Et puis comme je suis souvent très impatient, j'adore le vernis, donc j'ai pas la patience d'attendre que l'instrument soit terminé pour commencer. Donc ça me correspond bien quoi, de travailler comme ça. À Lisbonne, Christian a trouvé un terrain idéal pour son travail. Le calme ambiant de la ville aide quand même, si on peut dire, à la création. Moi, je veux pas non plus... me prendre pour un grand artiste, mais c'est vrai que peut-être qu'un endroit plus calme aide à penser plus, à concevoir mieux. Le violon doit être prêt d'ici l'été pour un grand rendez-vous de musique classique qui aura lieu à Lisbonne. Et il sait qu'aucune erreur n'est permise. Un luthier, il a toujours des idées extraordinaires sur comment faire ci ou ça, mais la salle de concert... se fout des idées que vous avez, c'est-à-dire que si l'instrument ne passe pas, si on ne l'entend pas, ben on peut avoir les plus belles idées du monde, elles ne servent à rien. On ne peut pas se raconter l'histoire dans une salle de concert, on ne peut pas se dire que ça sonne bien si ça ne sonne pas bien. Pour Christian, encore une centaine d'heures avant le test final. Samedi, c'est un déjeuner particulier qui s'annonce dans le restaurant d'Annie et Julien. Manuel, ça et ça, à la table 5. C'est le monsieur qui est au fond. Manuel, le nouveau serveur, fait sa journée d'essai. Il est aussi là pour essayer sa journée, mais aussi pour nous aider. Donc, faut qu'on perde quelques secondes à chaque fois pour lui expliquer. Sinon, aussi bien pour lui que pour nous, c'est inconfortable. Aujourd'hui, en plein mois de février, le restaurant affiche complet. Manuel, tu jettes un œil en salle ? Tu jettes un œil en salle parce que Julien doit m'aider en cuisine. Vous avez quelques cafés ? Non ? Vous avez fait ? Ok, push. Bon travail. À ta prochaine. Ciao. 15h, le restaurant commence à se vider. Alors, comment ça se passe ? Ça va mieux. Il y a eu un gros coup de chaud parce qu'on a eu une table de 8 personnes. Et du coup, comme notre espace est petit, dès qu'il y a une grosse table comme ça, ça bloque en cuisine. Oh, pardon. On est des victimes consentantes. Hein. Thank you so much. See you. Good afternoon. Pour Manuel, l'heure du bilan. C'était bien. J'ai bien aimé travailler avec vous. Merci. Merci, nous aussi. J'espère surtout que vous avez aimé mon travail. Nous, on a eu un peu peur quand toutes les tables étaient occupées. Non, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Tout s'est bien passé. Nous, notre objectif, c'est de satisfaire 100% des clients. Très important. Tout ce qui se passe en cuisine, c'est entre nous. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière, le contact que vous avez avec les clients. Manuel, merci. Obrigada. Muito prazer. Obrigado. Até a próxima, Manuel. Bon, alors cette caisse. Ben oui, ça c'est pas mal. Assez quand même. On a fait des journées d'été bien moins bonnes que ce 20 février, c'est ça qui est vachement bien. Ouais, 21.
21. T'as raison. Bon, bah écoute, c'est parti, on ferme tout et puis c'est les vacances. Rassurés par ce succès hivernal, Annie et Julien s'accordent 2 semaines de vacances. C'est à Guincho, une plage sauvage prise d'assaut toute l'année par les fous de voile, qu'Annie et Julien aiment s'échapper en famille. Pas de regret de vous être installé à Lisbonne ? Non, on ne regrette pas trop là. Regardez derrière vous et puis, aurez la réponse. On s'en lasse pas. Bah pour nous, l'hiver, ça va être les vacances déjà, donc on est super contents. On va pouvoir profiter un petit peu plus de moments en famille comme aujourd'hui, surtout pour Ewen. Et on est bien. Et puis c'est l'occasion, autant on profite de la plage, même quand on travaille l'été. Là, c'est aussi l'époque où il va y avoir les plus belles vagues, où ça va être le plus déchaîné, c'est des paysages superbes. Donc il y a plein de choses à faire pareil. Un moment de répit, dans quelques semaines, la haute saison reprend, et avec elle, ces milliers de touristes. Avec son beau temps toute l'année, le printemps ne surprend plus vraiment à Lisbonne. Au milieu de la ville, sur plus de 1000 hectares, la forêt de Monsanto. Emeline y fait ses devoirs. Donc là, en fait, pour les cours, on doit réaliser un herbier. Il faut vraiment qu'on se dépêche de ramasser les dernières plantes, les faire sécher, et puis ensuite tout présenter pour rendre ça bien propre début juin. Ça fait partie de la notation, donc faut qu'on s'applique. Quoi, ça ? Ça, c'est un type de fougère, je sais pas exactement. Il faudrait que je la coupe un peu, mais sinon, ça peut fonctionner. Le premier semestre s'est bien passé alors que j'avais rien fait, donc là, comme j'ai du temps pour réviser, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Juste que je mette ce temps-là à profit et que je travaille correctement. Faut arrêter de faire la fête dans tous les bars. Ouais, en gros. Faut arrêter de profiter de Lisbonne et de ses nombreuses soirées. Voilà. Nickel. Je vais devenir fleuriste. Dans quelques semaines, Emeline va passer ses examens de fin d'année. Pour Christian, le grand jour, c'est aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ma dernière création. Donc je vais le photographier, il faut que j'y fasse attention. Le violon, commencé à l'automne dernier, est enfin terminé. Arrivé à ce stade, c'est 3 mois de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, donc c'est 3 mois de salaire qui disparaîtraient si je le cassais, mais bon, il n'y a pas de raison, mais je fais très attention. Alors ça, c'est mon 92e violon, je crois. Il faudrait que je vérifie sur la fiche, mais je crois que c'est ça. C'est un chouette moment de pouvoir immortaliser son travail. Oui, c'est un moment agréable dans la mesure où c'est la fin d'un travail. On sait aussi ce qui va me servir pour faire un certificat d'authenticité. Donc c'est pas juste des photos souvenirs, c'est quelque chose d'utile quand même. Tu fais sa carte d'identité en fait. Voilà, c'est ça. Dernière étape pour Christian, sûrement la plus stressante, la livraison du violon à son propriétaire. L'été approche.
la grande saison aussi. Alors ce soir, Annie est toujours au fourneau, mais chez elle. Non, faut pas rentrer dans la cuisine. Elle cuisine pour des amis français qui vivent aussi à Lisbonne. Tu peux regarder la cuisine, ouais. Une soirée test pour préparer la prochaine carte de l'été. J'espère que ça va être bon. Et ça va, t'as pas trop la pression? Un petit peu. L'idée, c'est de faire tester les amis et je sais que si c'est pas bon, ils vont me le dire. Donc on verra. C'est une soirée test. Ouais, soirée test. Alors, velouté, courgettes, chèvre frais. Et c'est une soupe qu'on peut servir froide ou chaude. Et alors, vous dites, vous balancez tout ce que vous voulez dire. Vous dites. Ouais, ouais, non, mais. Et puis, la quantité. C'est peut-être. Tu vois? Peut-être purée. Tout va se décompose. Il y a une partie purée, une partie plus liquide. Mais le goût, il est délicieux. T'as vu, on n'est pas gentil. Hein. Mais le goût, bravo. Hein. Ah, le goût, bravo. Bravo, bravo. Et l'idée vous plaît, l'originalité, le... La couleur. Non, le goût. Moi, j'aime bien. J'aime bien franc aussi. Annie va faire quelques ajustements. Bah, intéressant. Du coup, j'ai encore un mois là pour faire des essais. Donc, je vais essayer avec la menthe. Je vais essayer avec une petite décoration avec du chèvre. Voilà, je vais faire différents essais selon les remarques que j'ai eues. Une version froide. Mmh. Ça peut être sympa, ça change un petit peu. Donc, ça, c'est une variante que je veux faire. Je veux plus faire la tartine de saumon. Je veux faire un petit sandwich saumon. Un petit. Le saumon, ça plaît beaucoup. Ouais, c'est vraiment une tartine qu'on nous demande. Moi, je suis plus la sucrée quand même. Ouais, sucrée. Ouais. Sucrée, unanimité. Ouais, sucrée. Parce que l'autre est celle qu'on fait à la maison, en fait. Ouais, c'est plus original. Les plats testés ce soir ne seront pas tous retenus pour la carte du restaurant. Il ne reste que quelques jours à Annie pour trouver de nouveaux plats originaux afin de surprendre sa clientèle. L'autre, tu pourras en manger un ailleurs. Enfin, il est plus proche du terrain. Le printemps, au large des côtes lisboètes, c'est la meilleure saison pour les sardines. Important client des pêcheurs, Thiago est invité à bord par le capitaine de ce chalutier. On a quitté le port il y a 2 heures. Il n'y a encore rien sur les radars. Pour nous, la sardine, c'est tout. C'est grâce à elle qu'on vit, c'est grâce à elle qu'on mange. Elle est tout pour nous. Et les anciens disent que la sardine, c'est l'argent de la mer. Il n'y a pas de différence pour les sardines en conserve, ce sont les mêmes. C'est juste une question de taille. Ah, c'est sûr que des sardines trop petites n'intéressent pas les conserveries. Il faut qu'elles soient un peu grosses, pas trop sèches. Sinon, on ne peut pas en faire de filet. À la nuit tombée, encore aucun poisson. Au petit matin, un banc de poissons est repéré. On attend de voir s'il y a des poissons qui remontent. Si c'est des sardines, on devrait déjà en voir. Mais tu as une idée du type de poisson ? Je pense que c'est des maquereaux. Quand on voit rien dans le filet, ça me fait de la peine. Aujourd'hui, la pêche n'est pas miraculeuse. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les maquereaux vont sur la palette.
Sur la palette. Moi, j'ai pas parlé. On utilise aussi les maquereaux pour nos conserves. On les fait en filet. C'est le seul poisson qu'on utilisera. Le problème, c'est que c'est pas le poisson qu'on voulait, ni la quantité. Mais sinon, c'était sympa. C'était une bonne expérience. Une fois triés, ces poissons seront mis en boîte et vendus directement dans les boutiques de Thiago. L'été arrive, et avec lui les touristes. La haute saison ici, c'est aussi celle des surfeurs. Avant ses examens, Emeline s'offre un dernier bol d'air. J'en avais fait un peu au début, quand je suis arrivée. Là, j'avais complètement laissé tomber. Bon, aujourd'hui, on revient et on va voir. Vous bougez vos genoux, comme Shakira. C'est bon de faire des exercices ici. Les gens adorent ça. C'est aussi l'occasion pour eux de découvrir la plage du Portugal. Et ça va, les vagues sont pas trop grosses? Non, ça va. Quand on est arrivé, c'était un peu plus gros. Je me suis dit, bon, on va voir. Mais non, là, ça va. À Lisbonne, l'eau ne dépasse jamais les 20 degrés, même en été. Après plusieurs tentatives, Emeline se lève enfin sur sa planche. C'est pas glorieux, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu et on s'est bien amusé, donc voilà. Maintenant, très fatiguée, donc on va passer l'après-midi à la plage et on va se reposer. Elle a progressé? Oui. Oui. Je pense que oui. Emeline doit maintenant se consacrer à ses examens. Ils auront lieu dans une semaine. Pour Christian, c'est aussi le grand rendez-vous de l'année. L'Orchestre symphonique de Lisbonne joue ce soir. Et le luthier, il va bien, le luthier? Le luthier va bien, tu vois, c'est le violon solo qui joue mon violon, le violoncelliste qui joue mon violoncelle. Ça va bien? Bon, à tout à l'heure. Christian assure les derniers réglages sur ses nouveaux instruments. Trop bas, c'est rien. Okay. C'est même pas son cheval définitif, il aura un cheval plus haut que ça. Okay. Tu vois, c'est... Et là, je force pas nécessairement. Mais ça sature. Et tout de d'accord, suite, il sature. Okay. Non, mais je me doutais que c'était trop bas pour toi, parce que le chevalet est bas, même pour n'importe qui. Ça, c'est le chevalet. Et en fait, il faut qu'il soit... Il est un peu trop bas. Vous savez, c'est comme si vous appuyez sur un accélérateur, puis en fait, le moteur répond pas parce que vous êtes en troisième. Alors, faut repasser en deuxième. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, dès la quand même en troisième, en quatrième, en avoir. Voilà, c'est ça. Mais c'est cette mécanique, c'est ça. Voilà. Merci de l'essayer. Cet après-midi, Christian assiste aux répétitions d'une star mondiale qui joue lui aussi avec un de ses violoncelles. C'est un moment spécial pour moi, sans aucun doute. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi d'entendre un de mes instruments, surtout joué par quelqu'un comme Pavel Gomziakov. C'est pas si courant que ça d'avoir des solistes de ce niveau-là jouer des instruments modernes. C'est une chose importante et agréable. J'adore ma vie. D'autres, rien n'est complètement gagné. Pour Annie et Julien, tout va se jouer lors de cette saison estivale. Et l'été ne commence pas très bien. Manuel, le serveur embauché l'hiver dernier, n'a finalement pas fait l'affaire. Il a donc fallu trouver une nouvelle serveuse. C'est quoi,
à la carte, seul le sandwich au saumon a résisté à la soirée test d'Annie. Ce midi, le restaurant est plein à craquer, ou presque. Ouais, il nous reste une petite table de deux là-bas. C'est surprenant d'ailleurs parce que c'est celle qui est normalement toujours occupée, celle qui n'est pas de la fenêtre. Ça y est, elle est plus disponible, faut vite que j'aille voir les clients. Thank you. Thank you. Des clients venus du monde entier. Après un an d'existence, le restaurant s'est déjà taillé une solide réputation. Alors bien sûr, on suit ça au quotidien. Donc là, on est 14e sur 2589 restaurants. C'est quand même inespéré, ouais, parce qu'être dans le top 10 comme ça des restaurants dans une grande capitale européenne, on s'y attendait pas. Donc c'est un peu intimidant parce que du coup, on est obligé encore plus d'être performant. Voilà, on peut pas se louper, quoi. Finalement, l'été tient ses promesses. Au grand soulagement de Julien. Il y a eu des moments un petit peu chauds, surtout au début, parce que, comme on disait, c'est quand même une logistique, une organisation qu'on a dû apprendre. Alors, je te cache pas qu'au début, qu'est-ce qu'on s'est engueulé en cuisine. Mais maintenant, ça va mieux. On est devenu adulte. C'est prêt, Julien. Quinoa et chou. On se rend compte que c'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi un endroit un peu différent, c'est aussi... Faut pas que je laisse brûler ma crêpe. C'est aussi l'accueil, la convivialité. Je pense que les gens, ils ont aussi besoin et envie d'un contact. Et pas seulement envie de bien manger, mais en plus, s'ils mangent bien, s'ils trouvent quelque chose d'un peu différent, c'est très bien. Hola, bon dia. Un autre homme est content du cours pris par ses affaires. Thiago a réalisé une excellente année, mais il doit sans cesse innover. Ici se met en boîte tout ce qui se pêche sur la côte proche de Lisbonne. Plus de 10 000 conserves sortent tous les jours de cette usine. Une usine qui perpétue la tradition avec la cuisson au feu de bois. Sens-moi ça. Il faut toujours cuire au feu de bois. C'est bien mieux qu'au gaz. C'est ça ta marque de fabrique. Ta marque de fabrique, c'est ça. Thiago vient tester une grande nouveauté, du jamais vu dans l'industrie de la conserve. Ce sont des huîtres. C'est une expérience pour nous tous. On va faire le test. On va les goûter. Et elles sentent bon. C'est le parfum naturel. On les a laissées dans l'huile. Vous n'avez pas eu besoin de rajouter de sel ? C'est bon, hein ? Alors, première sensation ? Je crois qu'il faudrait quand même rajouter un petit peu de citron. Un peu plus ? Deuxième essai, des huîtres au piment. Eh ben là, le piment, il est vraiment très piquant. Il nous faut maintenant faire valider les conserves en laboratoire. Il va y avoir une batterie de tests, et si tout va bien, je lance 3 nouvelles conserves cette année. Des nouvelles recettes, un nouveau magasin. Cette année, Thiago est passé à la vitesse supérieure. Il va bientôt exporter ses produits à l'étranger. Bonjour. Vous pouvez me conduire jusqu'au Rossio ? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Tu es étudiante ? Oui, je suis étudiante Erasmus.
À l'automne dernier, Emeline ne parlait pas un mot de portugais. Ça va. Je pense que je fais des fautes, mais bon. L'important, c'est que je me fais comprendre. J'essaie d'améliorer mon portugais. Tu parles bien, on te comprend facilement. Ah, merci. À Lisbonne, Emeline est aujourd'hui comme chez elle. C'est vrai que j'aime bien venir ici dans ce petit café avec, au bord de la mare. C'est calme, c'est vraiment très agréable. Je pense que c'est un de mes lieux favoris. Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment aucun regret d'être venue. Parce qu'au début, c'est vrai, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, dis-moi quand même, je suis toute seule, je connais personne, je parle pas la langue, ça va peut-être être un peu compliqué. Et puis au final, voilà, maintenant que c'est quasiment terminé, j'ai vraiment aucun regret. Et puis moi qui aimerais bien travailler en Afrique, bah, ça m'ouvre des portes par rapport au Mozambique notamment, à l'Angola aussi. Voilà, ça m'ouvre des possibilités que j'avais pas avant et c'est vraiment un plus. Dans une semaine, Emeline rentrera dans sa Bretagne natale. Elle recevra alors la bonne nouvelle. Elle a réussi ses examens et obtenu le diplôme qui lui permettra peut-être de réaliser son rêve, travailler dans une réserve animalière en Afrique. Sur les hauteurs de Lisbonne, Annie et Julien n'ont eux aucune intention de quitter la ville. Ils se retrouvent à l'endroit où tout a commencé, il y a maintenant 2 ans. On est tellement bien ici, on a une telle qualité de vie, même si c'est pas tous les jours facile et on est encore en train de monter l'entreprise. Hein. C'est jamais gagné. Hein, de toute façon. Et le pari, c'était de venir ici. Après ça, la vie, elle continue. Quoi. C'est avant tout être à Lisbonne. C'est avant tout vivre notre vie. La vie que vous aimez avoir, elle est à Lisbonne. Elle est là. Et ça, par contre, on a... Mais, hein, mais pas le... Pas le moindre regret. De l'automne à l'été, vivre leur vie ici au fil des saisons. Comme Annie et Julien, ils sont plus de 10 000 Français à avoir choisi de s'installer à Lisbonne.